So we already talked about ordering coffees in cafes in France. Why don't we upgrade and talk about ordering in restaurants? Going to a restaurant in France, the great food, the lovely moment you spend with the people at your table. Dreamy, isn't it? And yet it can quickly descend into a chaotic and confusing experience rather than the lovely meal you had in mind. Are you ordering the right way? Getting stuck with some vocabulary you are missing? Or wondering if you are interacting with your waiter in the correct manner? If you are one of those people who feel slightly unprepared and a little bit stressed at the idea of going to a French restaurant, then this petite discussion may well be the helping hand you need. Bonjour and welcome to French avec Ingrid, a channel where I help you understand France and improve your French in small and easy steps. Are you ready? So welcome here, leave your day behind, and let's go. Let's learn some French. Si vous avez déjà écouté une de nos petites discussions, vous savez que nous allons parler juste en français dans cet épisode. Un français un peu plus lent pour vous aider à améliorer votre compréhension et aujourd'hui pour vous aider aussi à comprendre la vie de tous les jours en France. Comme d'habitude, n'hésitez pas à changer la vitesse de cette vidéo si vous en avez besoin. Pour un français plus lent ou plus rapide, vous pouvez faire ça dans les paramètres en bas à droite et vous pouvez aussi activer les sous-titres en français ou dans votre langue si vous en avez besoin. Dans cet épisode, nous allons parler des serveurs français, des différents endroits où vous pouvez manger en France et pourquoi et comment sont-ils différents, et bien sûr des choses à faire et aussi à ne pas faire dans un restaurant en France. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aussi regarder l'épisode suivant où je couvre du vocabulaire essentiel que vous entendrez ou que vous aurez besoin d'utiliser dans un restaurant en France pour que vous soyez prêt en toutes circonstances. On va commencer tout de suite par le sujet brûlant, la question sur les lèvres de tout le monde. Et il s'agit de l'idée reçue que les serveurs en France sont un petit peu difficiles ou même voire peut-être un peu désagréables. Il faut vraiment que l'on parle de deux choses sur ce point. Le premier, c'est que le métier de serveur, c'est un vrai métier en France. Et les serveurs sont formés à garder une distance respectueuse pour permettre à leurs clients de passer un moment plutôt intime entre eux. Donc, la familiarité typique que l'on retrouve dans les restaurants aux États-Unis, par exemple, elle serait vue plutôt comme excessive et même intrusive en France. C'est un premier point vraiment important pour comprendre pourquoi certains clients ont l'impression que les serveurs sont froids, distants ou même inattentifs. Alors qu'en fait, le serveur est plutôt respectueux du moment que vous passez entre vos amis à table. Et les serveurs en France prennent vraiment leur métier avec beaucoup de sérieux. Ils ont souvent un travail un peu stressant. Ils doivent travailler vite et bien et pendant de très longues heures. Il peut donc arriver que vous ayez l'impression que votre serveur est mal poli, quand en fait, il est tout simplement un petit peu débordé, surtout aux heures de pointe. Depuis la pandémie, il y a aussi un gros manque de personnel. Donc, les serveurs doivent travailler encore plus vite et encore plus, ce dont les clients ne s'aperçoivent pas toujours. Et je parie que certains d'entre vous auront remarqué des serveurs qui deviennent plus agréables ou qui vous donnent plus de temps vers la fin du service, quand l'heure de pointe est passée. Alors, le mythe du serveur français stressé, inattentif, je pense que c'est plutôt une exception que la règle. Vous rencontrerez sans doute beaucoup de serveurs aimables, serviables et très professionnels. Allez, on passe au point pratique. Connaissez-vous les différents endroits où vous pouvez manger en France? Il y a en fait bien plus que les restaurants où vous pouvez aller manger, prendre un déjeuner ou un dîner en France. Et selon l'endroit
où vous avez choisi d'aller manger, vous verrez que l'étiquette sera peut-être plus ou moins carrée. En général, mis à part les grands restaurants gastronomiques, l'atmosphère dans les restaurants est plutôt agréable et plutôt relaxe. Vous avez donc les restaurants, bien sûr. Les restaurants gastronomiques ou les restaurants plus simples. Les restaurants, ce sont des endroits où vous allez manger un repas complet, c'est-à-dire trois plats. Les restaurants en France auront toujours des horaires d'ouverture plutôt stricts, de midi à 2h au déjeuner et de 19h à 22h ou 23h au dîner. La fin de service, ça veut dire que les cuisines ferment pour un break et aussi pour préparer le second service, le service du soir. Donc si vous arrivez un peu tard, aux alentours de 1h45 par exemple, il se peut que l'on ne soit pas très heureux de vous voir ou que l'on vous demande de manger rapidement. Vous trouverez ensuite des brasseries. Les brasseries sont un petit peu différentes des restaurants. Elles sont un peu plus fluides. Vous pouvez y manger un peu plus rapidement ou même juste y prendre un café ou un verre. L'atmosphère dans les brasseries est parfois un peu plus bruyante. Les menus sont peut-être un peu moins surprenants, de la cuisine typique française, des menus qui ne changent pas souvent. Mais certaines brasseries offriront un service continu, ce qui veut dire que vous pourrez manger à toute heure de la journée. Et vous pouvez aussi manger dans des bistrots. Les bistrots, ce sont des plus petits établissements, très souvent des projets passion, parfois des projets familiaux. Donc moins de tables, un petit menu, mais souvent de très bons petits plats et un service très chaleureux et souvent très personnel. Et enfin, n'oublions pas, le midi, vous pouvez aussi parfois manger dans les cafés. Même s'ils sont souvent des endroits pour aller prendre une boisson chaude ou un verre, les cafés offriront parfois des menus du midi. Il s'agira de choses simples comme des omelettes ou des croque-monsieur, très souvent servis avec une petite salade. C'est souvent très bon, mais attention, il ne s'agit que du midi. Des petits encas simples et rapides, souvent plutôt bons. Voilà donc pour commencer. Les restaurants, qui seront peut-être des grands restaurants gastronomiques ou des petits restaurants, les brasseries, les petits bistrots et les cafés. Donc voilà, vous avez choisi, vous voulez aller manger. Le menu sera très souvent imprimé. Vous aurez donc le menu sur une carte que l'on vous donnera au début du repas. Mais parfois, le menu vous sera peut-être présenté sur un tableau que l'on amènera près de votre table. De commander off-menu, de demander quelque chose qui ne se trouve pas sur le menu, ce n'est pas quelque chose qui se fait très souvent en France, à moins qu'il s'agisse d'allergies ou pour des raisons d'intolérance alimentaire. On peut bien sûr demander qu'un plat soit servi sans un légume que l'on n'aime pas, par exemple, ou même de demander qu'il soit remplacé par quelque chose d'autre. Par exemple, on peut demander de remplacer les frites par des haricots verts ou une salade si on préfère un plat plus léger. Mais c'est toujours bien de poser la question ouvertement. Serait-il possible d'avoir des haricots à la place des frites? Ou est-il possible de remplacer les frites par des haricots? On vous amènera sans problème une petite assiette si vous souhaitez goûter les plats de vos compagnons de table. Et vous pouvez aussi tout à fait demander un dessert avec deux cuillères. Mais partager un repas principal entre deux personnes, c'est-à-dire commander un plat pour deux, sera beaucoup moins bien reçu. N'oubliez pas que les Français évitent de manger entre les repas. Ils évitent de grignoter entre les repas. Ils arriveront donc au restaurant avec de l'appétit et les portions prennent aussi en compte que l'on commande en général une entrée, un plat principal et parfois même un dessert. Le pain au restaurant
Il est offert, il est gratuit. On vous l'amène en général après que vous ayez placé votre commande dans une corbeille déjà coupée en tranches. Mais attention, le pain n'est presque jamais servi avec du beurre. C'est parce qu'on l'utilise pendant le repas en France plutôt qu'en hors d'œuvre, en appetizer. Le pain sert à accompagner vos repas, à pousser les aliments sur votre fourchette et peut-être parfois, plus ou moins discrètement, pour votre sauce si vous en avez dans votre assiette. Si vous n'avez plus de pain, vous pouvez tout simplement en redemander. Est-ce que je peux avoir un peu plus de pain, s'il vous plaît? Il est possible d'avoir un peu de pain, s'il vous plaît? La plupart des restaurants vous offriront des menus à prix fixe. Un menu à prix fixe vous permettra de commander une entrée, un plat principal et un dessert, ou un plat principal et soit une entrée ou un dessert à un prix fixe, un prix avantageux. Mais ça veut dire que vous aurez un choix réduit et que certaines choses sur la carte ne seront pas incluses dans le menu. On vous demandera souvent, quand vous passez votre commande, « C'est un menu ?» Ce qui veut dire « Est-ce que vous commandez à partir du choix menu ?» Puisqu'il faudra sans doute que votre serveur entre votre commande d'une façon différente en caisse pour que vous puissiez bénéficier d'un prix réduit. Et quand vous ne prenez pas un menu, vous commandez tout simplement à la carte. À la carte. Les repas de famille, les repas à la maison sont généralement des affaires bruyantes, des moments où l'on parle très fort. Mais bizarrement, dans les restaurants, les Français montrent un peu plus de réserve. Et vous verrez qu'il y a souvent une atmosphère un peu plus feutrée et calme dans les restaurants. Ça changera bien sûr d'établissement en établissement et comme je l'ai dit par exemple, les brasseries sont souvent un peu plus bruyantes, mais je pense que les restaurants français sont bien plus calmes que les restaurants d'autres pays. Et certainement beaucoup moins bruyants que les restaurants londoniens. Même dans les restaurants plus relax, on a tendance à manger avec ses couverts, même pour les frites et même pour les pizzas. Mais par contre, on coupe le pain avec ses mains. Et on prend son temps. Et ça, c'est formidable. Les Français passent plus de temps à table que la plupart des Européens. Non seulement on mange à des heures très précises en France, mais on prend aussi son temps pour manger, que ce soit à la maison ou au restaurant. Donc en France, en général, votre table dans un restaurant est la vôtre pour la durée de votre repas, et ça, quelle que soit la durée de ce repas. Si bien qu'il faudra que vous demandiez l'addition, un serveur vous amènera très rarement l'addition sans que vous l'ayez demandé. Et les fois où ça arrivera, les fois où les serveurs vous amèneront votre addition, c'est sans doute que le restaurant va fermer et que l'on vous demande gentiment de partir. Et puisqu'il s'agit d'un moment convivial, ne vous étonnez pas si les assiettes ne sont débarrassées que quand tout le monde a terminé son repas. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, mais n'avez pas d'autre choix que de manger au restaurant, demandez à votre serveur s'il est possible de servir rapidement. Très souvent, les restaurants aux alentours des stations de train sont habitués à cette question et peuvent vous servir très rapidement. Et le doggy bag en France? Eh bien, il est officiel en France, et ce depuis une loi qui est entrée en vigueur en juillet 2021 pour combattre le gâchis de nourriture. Donc, dans les restaurants un peu plus grands, il est maintenant possible de demander un doggy bag pour emporter vos restes. Il y a tout de même un frein culturel plutôt important, mais les Français commencent à changer leurs habitudes. Voilà, je pense que tous ces points vous aident à vous situer un petit peu pour commencer. Si vous en avez besoin, vous pouvez me retrouver dans le prochain épisode où je vais couvrir le vocabulaire essentiel que vous entendrez ou que vous aurez besoin d'utiliser au restaurant. En attendant, je vous dis au revoir. Et je vous retrouve dans une autre vidéo.